Nort-sur-Irthe est une commune qui aujourd'hui est aux environs de 7500, 7600 habitants. Bon, avec un certain nombre de commerces, de services, d'équipements, ce qui fait que c'est déjà une ville enfin, reconnue au niveau du département et de la directive territoriale d'aménagement d'un ce qu'on appelle d'un des 15-16 pôles structurants du département, donc qui fait en sorte que c'était au cœur, au centre d'un bassin de vie. C'est ce qui fait l'importance de notre commune. Donc déjà, il y avait une attractivité, mais le fait en plus d'être desservi par le tram-train, donc c'est encore une opportunité pour nous aider à favoriser le développement. Ce qui est important surtout, c'est de pouvoir offrir justement ce nouveau moyen de transport en commun, donc enfin principalement pour les Nortais pour aller vers Nantes. Beaucoup de Nortais se déplacent régulièrement, que ce soit pour le travail, pour d'autres raisons, se déplacent sur Nantes et c'est donc de limiter l'usage de la voiture sur la commune. Je ne dirais pas forcément diminuer le trafic, mais au moins faire en sorte qu'il arrête de progresser.